Et lui les gens, bienvenue sur frappcjeux.fr ou sur mon blog 1003.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion sur le jeu Cookserve Delicious 2 sur PC. Donc c'est parti pour un tour, on va repréparer de la nourriture et on va souffrir parce que ça fait quelques jours que j'y ai pas joué du coup. Et quand je tire, ça déplace mon écran parce que le clavier forcément est passé dessous au niveau du câble. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, bah, voilà. Pile content lancé propre. Hein. Même pas été tué mon message, non. Je ne t'ai pas eu contre l'aime. Coucou à toi, comment vas-tu? Allez, je sens que j'ai pas y arriver, mais on peut tout essayer. On avait découvert qu'il y avait un nouveau restaurant juste avant de quitter la dernière fois, le Gris Italy Casual Dining. Je crois pas qu'on l'ait fait celui-ci. À moins que si, les lasagnes. On n'avait pas déjà ailleurs des lasagnes. Ça se trouve, on l'a déjà fait. Attendez. Ah non? Je crois pas qu'on l'ait fait pourtant. En entrée, il y a des salades, diverses salades. Mais bon, on va dire qu'on est des professionnels, hein. Et on va y aller. C'est parti. On est bon, on est doué, on va y arriver. Défi zéro, les gens pas contents. Bon, on y est arrivé une fois, donc ça veut dire qu'on peut sûrement y arriver deux. Mais j'y crois pas trop, hein. Surtout que là, ça va être la reprise, donc allez hop, c'est parti. On va commencer par faire des lasagnes. Donc il nous faut pasta d'abord, ensuite sauce, cheese, ricotta, la suivante. Donc, pasta, sauce, cheese, ricotta, et ensuite pasta, sauce, cheese, et hop, on enfourne. Ensuite du 2, le 2 s'il vous plaît, toc, toc, on va faire des green beans. Hep, seasoning, 3 A, VS, c'est parti, 4, normalement ils attendent plus longtemps quand il y a des choses préparées, B, lettuce, carotte en général, c'est A, tomatoes, c'est T, crouton, c'est R, et cucumber, c'est U, allez hop, c'est parti, donc toi, qu'est-ce que tu veux, oil, eggplant, c'est parti, toi, tu veux quoi, tu veux sec, tu veux taper 7, 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du B pour terminer. Le 3, il veut quoi? Il veut du C, taper 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Season, on va s'occuper des toilettes. C'est bon. Le 4, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il veut Season. Le 5, c'est prêt. Le 2, c'est prêt. Le 1, c'est prêt. Ah, parce qu'en plus, il faut rajouter des trucs. Eggplant, tomato, parsley et parmesan. Il veut de tout. Le 3 est bon, le 2 est bon. Le 4 est toujours en train de se... On va servir de la bière. La bière, il veut to the top, mais sans que ça déborde. Tiens, cadeau. Les toilettes FS. 4, c'est bon. Le 1, c'est les poubelles. Hop. Le 6, il veut quoi, le 6? Il veut du... Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il veut season. C'est bon. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Hop, des lasagnes encore. Le 2, il faut faire la vaisselle. DW. Rush hour. On est foutu. R. US, c'est bon. Le 3 et le 4, on est bon. Le 1, on a quoi? Le 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la fin, il veut du B. Le 6, il est prêt, il peut partir. Le 2, oil et eggplant, c'est parti. Le 4, on va faire. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. Ça, pour l'instant, ça va être correct en termes de vitesse. Le 1 est prêt. Ensuite, le 3, on va s'en occuper. Oil, eggplant, c'est parti. La bière, P, il veut jusqu'au bout ou pas? Il veut jusqu'au bout sans que ça verse. Voilà. Le 4 est prêt. Le 2 est prêt. Le 1, c'est bon. Il faut qu'on refasse... Ah non, mais mince, il faut que je... Alors, E, T, P, R, c'est bon. J'ai l'impression que c'est moins speed qu'avant, non? Voilà, ensuite le 5. 1. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleeding 6. Ma main, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, hop là, le 1 est prêt. Le 3 est prêt. Eggplant, tomato, P, R, c'est bon. Ensuite, il faut absolument que je refasse des lasagnes. 5. Lasagne, lasagna, PS, spinach, c'est N, les épinards, hein, spinach, je crois, ricotta, pasta, sauce, cheese, ricotta, pasta, sauce, cheese, et on y va, le 6 est prêt, le 4, il faut qu'on se dépêche, oil, eggplant, c'est parti, le 1, on sert, le 2, on va se dépêcher, oil, eggplant,
Les 1, faille toilette, c'est bon. Le 6, il faut TS, c'est parti. Le 5, on va faire pareil, eggplant, oil, eggplant, voilà. Ça, on doit pouvoir s'en occuper. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, S, c'est parti. Le 3, il est servi. Le 4, c'est bon. P, R, hop là. Le 2 aussi, c'est bon. Eggplant, tomato, parsley, parmesan, c'est bon. Le 1 est prêt. Le 3, il veut sa bière. Mais le 5 d'abord va être servi. Le 5, il veut top, 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 c'est parti. Les toilettes, on s'en occupe toujours en priorité. Les poubelles, on écrase les poubelles de manière violente. Voilà, le 1, il veut sa bière jusqu'au bord, mais pas trop. Le 3, il veut sa bière jusqu'au bord, mais pas trop. Le 6, rush hour encore. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, bleeding. Le 1, c'est bon. Le 2, on y retourne. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il veut du bleeding. Le 3, c'est le eggplant, c'est parti, oil eggplant. Le... Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier? Pourquoi ça? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'est passé quoi avec le mec? 6, on y va. Le 2, il est prêt. Le 4, il veut son service. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il veut season. C'est parti. Le 2, c'est déjà prêt. Le 5, on l'envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, season, 1, 3, eggplant, T, P, R, c'est bon. Le 2, il veut sa bière. Hop là. Le 4, on est bon. Le 3, on est bon. Le 1, on peut y aller. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va encore être un rush hour. Hop là, ça, on sert. Voilà, le 3, FS, le 6, on se dépêche, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il veut du breeding, on s'occupe rapidement du 5 avant que ça ne brûle, le 2 est déjà prêt, le 1 est bon, le 3, faut que je fasse la vaisselle, D, D, W, R, U, S, c'est bon, le 2, on a les insectes, T, C, S, le 6 est prêt, le 1, c'est bon, il faut qu'on refasse de la vaisselle, le 4, on va se dépêcher, oil, eggplant, voilà, il faut qu'on refasse des pastas, lasagna, pasta, S, veggie, 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 c'est ça, cheese, ricotta, ensuite, pasta, sauce, cheese, ricotta, pasta, sauce, cheese, on y va, 2, T, mince, j'aurais pas dû faire celui-là en premier, S, le 3, TS, le 1, FS, c'est bon. Le 5, on y va, on lui verse de la bière jusqu'au milieu. Le 4 est prêt, donc eggplant, tomato, hop, hop. On n'a plus de lasagne, la lasagne est en train de se préparer, c'est bon. 6, on y va, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, season, c'est bon, c'est parti. Et il est servi. On en est où là du coup? Je sais pas s'il va rester notre client ensuite. Est-ce qu'on va être propre ou pas? Dites-moi tout. Ouais, mais personne n'en demande des side dish là. Enfin, je pense que c'est ça hein, dont tu parles. On avait dit quoi? Défi, zéro client mécontent, c'est pas ça? Hein? 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 Et maintenant, c'est qui le patron? Voilà. Voilà, je pense que là. Là, j'ai géré. On a quand même servi 47 clients, et parmi ces 47 clients, 13 étaient ultra satisfaits. Mais j'ai l'impression que c'était plus lent que la dernière fois, je sais pas si c'est uniquement dans ma tête, ou si vraiment ce niveau était plus lent. En même temps, c'est le niveau 1 d'un nouveau restaurant. Mais rappelez-vous comment on a galéré sur le niveau 1, par exemple, du restaurant japonais. Ce chant que j'avais jamais entendu. T'es sûr? C'est cool quand même. Combo, 47 clients servis, 47 de combo, c'est magnifique. Alors, faites gaffe, hein, c'est la seule fois où vous verrez ça, je pense. Oh, merci, merci. Ah, il y a un pizzazat. J'aimerais bien faire des pizzas. Ça, c'est une horreur. On a quoi d'autre? Peut-être qu'on pense à servir. Il y a aussi des mails à lire, mais j'ai tellement la flemme. Voilà, la lecture de mail.
Alors j'espère qu'il n'y avait pas des trucs importants, hein, parce que je vois qu'il y a la police, machin chose. On va pas passer des heures à lire ça, il y en a tellement des mails. Et en plus, certains sont pas du tout intéressants, quoi. Ça, est-ce qu'on l'avait déjà eu, ce restaurant? Il me semble que oui, on avait eu deux médailles d'ailleurs dessus, on l'avait déjà fait deux fois. Ça, on l'avait fait une première fois. Chinese food, on l'avait déjà fait deux fois. Ça, une fois. Peut-être qu'on pourrait aller à notre restaurant. Et d'ailleurs, on pourrait légèrement modifier le restaurant. On va éditer. Ah ouais. Ah, ça supprime carrément les lampes au-dessus. Bon, maintenant, faut espérer que... Bon, ça irait bien avec le sol dégueulasse qu'on a. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. Finalement, c'est pas si mal passé. J'ai l'impression que ça utilise pas de sous de faire la déco en fait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah mais ça va laisser ça en plus? Oh tant pis. Tant pis. Ce sera pas le restaurant le plus joli de l'univers. Hein, j'ai bien dit de l'univers, pas de la France ou ailleurs. Il y a des gratte-ciels, quoique ça peut pas être la France s'il y a des gratte-ciels. Mais Dienko. Je trouve ça très beau. Moi je. Ça donnerait pas envie d'y manger là, tu vois. Je. Non. On va faire quoi comme restaurant? Burger, j'en ai mangé à midi, ça me donne envie de vomir. It is. Non. C'était classe et tout. Va falloir que je mange un gâteau. Ça c'est quoi déjà? Eh, il y a l'air d'avoir de la pizza en haut à gauche. On tente ça. J'ai l'impression que ça fait des siècles que j'ai pas mangé une pizza, donc et c'est. Non, je suis désolé, Nico, je te vois venir, c'était une flammekuch. C'était pas une pizza. Allez hop, c'est parti! Alors, vas-y, pizza, antoced, vas-y, queso. C'est quoi, queso? Ils l'ont pas écrit. Cheese. Pepperoni, alors attends, pepperoni, voilà. G, je sens que je vais galérer. K pour kitchen. Chicken. Kitchen, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Bacon. Et hop, on enfourne. 1. On va faire du Reese, ribs. Hey. Seasoning. 3. Hamburger. Je sens que ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. On a commencé cette vidéo par un perfect, donc je pense que vous me devez... comment dire... comment on appelle ça? Comment disait Linka déjà? Vous devez vous me baiser, c'est ça? Les pieds, un truc comme ça. Meat patty, bacon, cheese, sweet cheese, and pretzel bun. Yeah, baby. Allez hop, on continue. Toc, ensuite, toi, tu veux ça? Ribs, sauce. Ah, seasoning, voilà. 4, trash. Hop là, ça, on sert la pizza. Voilà, c'est bon, c'est prêt. C'est magnifique. Du fromage en portugais, d'accord. Pourquoi ils ont mis du fromage en portugais sur un jeu qui est en anglais? Meat patty, lettuce, tomato, onion. Alors, dès qu'on connaît un peu les touches, c'est un régal le jeu. 3 TS, 4. Alors, j'ai tapé sur 5 apparemment. Hop là, du 4, j'ai dit, je veux déchets, W. Après, on relise. Ah, c'est la rush hour, ça y est. RUS, c'est parti. Donc, on élimine quand même les insectes avant. 2, c'est servi. Le 1, tu veux quoi? Tu veux du riz avec de la sauce? Ah, et sauce, voilà, c'est une ligne. Le 2, tu veux quoi? C'est déjà servi. Le 3, tu veux quoi? Rib, A, S, c'est parti. On va refaire de la pizza rapidement. Pizza, H, queso,
cheese, ham, ham, ham. Est-ce que c'est H le ham? H, ham et R, c'est parmesan en général. Voilà, c'est bon. Ensuite, il nous faut refaire aussi de ceci. Ribs, normalement, ça prend pas des heures. Hop, 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 c'est bon. Le 3, on peut le faire. Il nous faut du meat patty x2. Lettuce, tomato, pickles, CP, bien sûr. Eggs, j'imagine que c'est E. Et regular bun, c'est parti. 2, 4 et 6, c'est prêt. Ensuite, il nous faut du toc de ça. R, A, S, c'est parti. Là... Je lis même pas à chaque fois et je devrais lire parce que ça se trouve, je vais faire des grosses erreurs. Donc R, A, S, c'est parti. Le 1, on élimine la bestiole. Le 5, s'il vous plaît, le 5, R, A, S, c'est parti. Le 6, meat patty, bacon, cheese, Swiss cheese et pretzel bun. Voilà. Le 1, ils sont là aux toilettes, ils ont dynamité le truc. Le F, meat patty x2, tomatoes, pickles, eggs et regular. On va s'occuper très rapidement de ceci, si possible. On va refaire des steaks parce qu'on n'a plus. Personne ne veut l'entrer, hein, vous l'avez vu. Tout comme moi, vous avez vu que personne ne voulait d'entrer. R, A, S, il faut que je refasse de la viande. Mince, ça descend. T. 6, non, c'est pas ça. L. C'est S. Ensuite ça. B, R, A, S, c'est parti. Le 3 et le 4, c'est prêt. Il faut que je refasse de la quiche. De la quiche. Ce lapsus révélateur. Red sauce, cheese. Ground beef, t'es où le ground beef? J'ai. Ensuite, il faut du mushroom. En général, c'est M. Machin, oignon. Mince, 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 mince. Oignon, olive. Olive, 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 olive. C'est où? V. Du coup, je vais avoir un malade. Mais non! Tout ça parce que je connais pas les touches. T. Je suis dégoûté. Je suis déception. 1. T. 4. R. A. S. 3. 5. Dommage qu'on puisse pas comment valider une fois qu'on a... Enfin, annuler un service et partir faire autre chose, vite fait. Il va nous falloir à nouveau des ribs. R, A, S. Donc on n'aura pas un perfect, là, malheureusement. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, il paraît. Mushroom, regular buns. Le 2. Petit foie 2. Bacon, cheese, cheese, sweet cheese, regular bun. 1. 4. 5. 1, 2, 3, bacon, cheese, Swiss cheese et regular bun, c'est bon. Le 3, tu veux quoi? R, A, S, c'est bon. Le 1, il veut quoi? Meat patty, lettuce, tomatoes, onion et regular bun. 2. Hop là, le 6 en train de vouloir se barrer, on ne le laisse pas partir. Voilà, on le maintient ici, top là, et ensuite le 4, R, A, S, il n'y a plus de stock de ribs, on renvoie A, S, voilà, on va jeter les poubelles, on écrase les poubelles, et voilà, on passe à la suite, on balance, voilà, les toilettes qui sont dégueulasses, pourquoi ils les nettoient pas eux-mêmes? 3, 1, faut faire la vaisselle, W, on attend, on attend, on attend, on a plus de steak, mesdames et messieurs, nous n'avons plus de steak. Il faut refaire du steak, on va servir le petit Gugus qui est ici. Voilà, on va refaire du steak pour le hamburger. Hop là, on se dépêche d'utiliser les poubelles. Non mais c'est quoi ces restaurants qui ont des poubelles qui se remplissent en 2 secondes quoi? 3, L, C, S, 6, 6 en train de se réduire, T, S. Ah c'est fini, là ça y est, c'est terminé. Donc pareil pour les toilettes, FS. 1, on va lui envoyer son... Tiens, cadeau, 4. En même temps, ce serait bizarre des gens qui demandent un fond de bière, s'il vous plaît. Voilà. Honteux. Voilà, j'ai une personne qui n'a pas été super contente. Donc sur 54 personnes, on a 53 personnes contentes, dont 8 personnes ultra contentes, et une personne qui a fait la fine bouche parce que c'était pas propre.
parce qu'il y a eu des poubelles entassées quelque part. Je suis d'accord, c'est pas propre, mais les gens doivent comprendre aussi à un moment donné que je suis tout seul pour gérer un restaurant et des dizaines et dizaines de clients. Voilà. Voilà, c'est tout. Waouh, nous avons atteint le niveau 12. Toc. Vous avez reçu 2 mails. Vous avez reçu 1 sexto. Sauf que mon téléphone est décidé d'être lent encore. Oh, quelle horreur. Ouais, ça je sais, merci pour l'information. Alice. C'est tout pour le moment, comment ça, c'est tout pour le moment. Et y a... Ah, 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 oh. Oh. Je peux pas passer à côté de ça. Pizza Zat. Après Pizza Hut, Pizza Maeva, etc. Pizza Zat. Allez, c'est parti. Commençons déjà à préparer une pizza. Hop là, pizza stuffed. Queso, cheese, sausage, air parmesan, oignon c'est N en général, spinach, c'est épinard, c'est ça, et diced, tomato. Attendez ma petite dame, j'arrive, hein. Ah, mais personne en mange ça, c'est embêtant. Donc je sais pas pourquoi j'en fais en fait, vas-y je te sers. Tu veux quoi? Tu veux du apple et du big cream, tiens cadeau. Toi tu veux quoi? Tu veux du... Heureusement qu'on n'a pas à les faire ce truc à l'avance. Mousse et du big cream, tiens cadeau. Toi tiens t'es servi, les toilettes, hop là c'est nettoyé. Ensuite qu'avons-nous à faire? Peut-être que je préfère une deuxième pizza. Et soit être tranquille. Mince, j'ai fait une bêtise je crois. Voilà. 2, on sert. Toc, toi j'arrive. Mousse, big cream, voilà. Et on recommence. Toc, ah! Il nous faut quoi? Il nous faut du stuff là. De la red sauce, du cheese. Ensuite du pepperoni. Du sausage. Du ground beef, j'ai. Et du bacon. Voilà, et on se dépêche de faire les poubelles. Voilà. Enfin, de les faire, façon de parler, hein, parce que. Vous avez compris. Mousse. Hop là. 2, tu veux quoi? Mousse x 3. Ils sont pas compliqués ces gens-là, je les aime bien. Ensuite, DW. RUS. Ensuite, ça c'est prêt. Hop là, 1, on attaque. Mousse x 2. Cheesecake, c'est bon. Le 2, tu veux quoi? Alors, il faut que je fasse du... Dunkin' Coot, du trad. Et on plante. Le 1, c'est bon. Le 3... Le 3, tu veux de la mousse et du big cream. Le 5, il veut de la boisson. Donc, normalement, la boisson, c'est pas bien compliqué. Voilà, le 6, il est déjà prêt. Donc, c'est bon. Le 2, on peut servir. Ah, mais mince, c'est vrai. Spices. Et tanguy, c'est Y. Le... Mince. Le 4 est en train de se barrer. Le 4 est en train de se barrer. Mais ça cuit super vite, ces machins. Mousse. Cheesecake, mousse, apple, tiramisu, hop là, le 3 est en train de vouloir se barrer, il veut quoi? Il veut du BLS, oui, B, D, hop là, le 4, il veut quoi? Spice, extreme, et ensuite wings, T, le 5, on se dépêche, il veut du quoi? Il veut du trad et D, le 6, il veut quoi? Le 6, il veut du trad et D. Hop là, le 3 c'est prêt, donc on met spice, barbecue sauce, et wings, et toss and mix. Le 1, il veut le tiramisu, du big cream, et du canin. Le 5, il veut du spice et hot sauce, et ensuite wings et thé, hop là, de OIS. Le 6, c'est bon. Spice, extreme, wings et toss and mix. Le 3, c'est déjà prêt. Le 4, il veut des trad, des... Le 1, on s'occupe des poubelles. Hop là, le 2, il veut quoi? T, B, K, voilà. Le 3, il veut
MMK. Le 4 est prêt, donc il veut Spice. Et ensuite, Teriyaki. Faut pas que je me trompe, c'est bien le T. Ensuite, Wings et Toss and Mix. Voilà. Le 1, faut qu'on s'équipe de la vaisselle, des W, sinon des gens vont encore être malades et ça va être terrible. Parce que du coup, on pourra pas les sauver, ils vont mourir de pas notre faute. FS. Et ça nous fera une mauvaise réputation, ce qui serait extrêmement triste, étant donné que je suis un très très bon restaurateur, n'est-ce pas? Non, parce que je pense pas que beaucoup de restaurateurs aient affaire avec les rats. En général, quand on a... Oh punaise, heureusement, je me suis pas trompé. On a plus de pizza! On a plus de pizza, au secours! Pesto. Est-ce que c'est la sauce pesto, c'est E? Voilà, c'est le truc qui est pas logique, en fait, des fois. Alors, des anchois. Anchois. Non, mais qui mange des pizzas avec des anchois de nos jours, encore? Qui a eu cette idée? Green paper. La pizza est en train d'être prête, monsieur. Alors, Spice et Tanguy Sauce. On sait que Tanguy, c'est pâté. Wings et Toss and Mix, c'est parti. 5, tu peux me faire confiance. Je te prépare ce qu'il te faut, t'inquiète pas. Mousse. C'est M. Apple, c'est ça. Et tiramisu, c'est ça. 2, 3, 4 et 6, c'est prêt. Ensuite, le 1. Le 2, c'est prêt aussi. Le 1 qui veut du Apple et du Big Cream. Voilà, on s'occupe des poubelles encore une fois. Parce qu'ils ont pas les poubelles assez grandes dans ce monde-là, hein, voilà, on s'occupe de la boisson tant qu'à faire. On, nous n'avons plus de pizza, donc ils seront moins patients, on va refaire la pizza vite fait. Alors, antostifo, queso, cheese, pepperoni, ground beef, chicken, c'est cal chicken, et bacon, c'est ceci. 6, ils ont plus aucune patience là forcément parce que regardez, 3 il veut quoi lui? Il veut mousse x2 et big cream. Le 5 qui est en train de fuir comme il a, comme si sa vie en dépendait. Le 2 qui fait pareil. Le 1 qui veut du mousse big cream. Le 4 qui veut du apple et big cream. Hop là. Le 5 qui est prêt à manger, donc spice, parmesan, c'est R. Hop là, wing, toss and mix, c'est parti. Le 2 qui veut pareil, spice, parmesan et wings, toss. Les poubelles, on se débarrasse des poubelles, s'il vous plaît. Toc, 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 toc. Hop là, le 6, on y retourne, L, C, S. Le 3 qui est en train de se barrer, il est en train de me fuir, encore une fois, c'est parfait. Le 1, mousse, cheesecake. Le 2, à qui on va mettre des traditional wings, et hop là. Le 4, à qui on va mettre de la vaisselle, des W. Attention, mesdames et messieurs. On patiente, RUS, on se dépêche d'aller sur le 3 qui a faim, Space, et il veut du Asian, ensuite avec du Wings et Toss and Mix. Le 2 qui veut du Spice avec du Teriyaki, donc le Teriyaki c'est T, et Wings et Toss and Mix. Et le 1 qui veut du Tiramisu x2 et du B, voilà. Et le 5 qui veut de la boisson, alors des fois je me trompe. C'est bon, coucou Isa, comment vas-tu? Ils ont même balancé un ballon pour moi. Eh, c'est pas beau ça? C'est le deuxième perfect en une vidéo. Sachez-le. C'est ça, faut faire des saves pour avoir de la patience. On a quand même un deuxième perfect. Faudrait que je mette des applaudissements quelque part ou... Un truc qui fasse clap, clap, clap. Ouais, bravo, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et vous savez quoi? Je pense que ça mérite un schtroumpf. Voilà. Alors, je sais pas qui c'est sûrement la schtroumpfette. Adieu, schtroumpfette. Comment on a géré encore? Oh, c'est beau, c'est propre. Moi, ouais, je pense qu'on est des surdoués. On vient de réussir. Aïe. Et je me mords. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Je le pense, hein, vraiment. Allez, un petit coup par chez nous pour voir comment on s'en sort. On va souffrir encore une fois, hein, mais... Quoi qu'en fait, avant, ce qui serait pas mal, c'est qu'on vérifie. Bonne nuit, Priscilla. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine. J'ai pas de sous. Les restaurants me payent très très mal, hein, vous remarquerez. Allez, c'est parti. On y croit. Pourquoi
j'ai fait deux perfect days. On y va. C'est ça, donc c'est pour ça que je vais pas, pour l'instant, je vais pas. OIS. Gravy. 3. Alors, Fiber. Fiber, c'est quoi? Fiber Blast. Milk et Strawberries. Cadeau. Jamais personne demande ces... Ah bah si, la salade, la voilà. Salade de fruits, joli, joli, joli. Et Blueberry, c'est elle. Les toilettes, maintenant. Allons préparer les toilettes. Je pense qu'on va essayer de faire la salade de fruits, du coup. Moins que ce soit pas la salade de fruits, ça. C'est pas la salade de fruits, ce truc-là. Mmh. Alors... Vas-y, monsieur, on attend un petit peu. Biscuit gravy. Trois FS, c'est bon. Un. Steak gravy. 2. Steak gravy. 3. Biscuit gravy. 4. Mince, c'était pas cuit. Oh gravy. Ah ouais, voilà, et voilà, et voilà, je viens de faire un truc de loupé. Oh mais quelle quiche. Juste parce que j'ai appuyé pile avant que ça démarre le machin. Cornflakes, milk, tiens cadeau. Toi tu veux quoi? Cornflakes, milk, cadeau. 3, oh yes, voilà, c'est bon, c'est parti, on est doué. Ou pas, parce qu'on vient de se louper, donc on n'est pas si doué que ça en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Cornflakes, milk. 3, c'est déjà prêt. Biscuit, gravy. Le 4, le 4 et le 5, le 6, c'est même prêt. Est, M, gravy. 1, US, 2, US, 3, cornflake, milk. Hop là. 4, la vaisselle, D, W, R, U, S. Ah, je n'ai plus de... C'est bon, monsieur, veuillez patienter. C'est au four. 1, 5, O, I, S, 1, steak, il veut du gravy avec. Ensuite, S, et du gravy aussi. Et ensuite, 6. 6, qu'est-ce qu'il nous vaut le 6? Le 6, il nous vaut du Fiber Blast, ok, et du milk, tout simplement. Le 3 et le 4, le 3 il veut du biscuit avec du gravy, en même temps il n'y a pas trop le choix. Le 4 il veut du biscuit avec du gravy aussi. Le 2 il veut qu'on aille nettoyer les toilettes. Le 3 il dit qu'il y a un cafard. Le 1 il dit qu'il y a du juicy machin chose. Milk et strawberries. Le 2 c'est déjà bon, biscuit et gravy. C'est bon. Qu'est-ce que je prépare de bon à manger? Ah mince, j'ai plus de bretzel. Nous n'avons plus de bretzel. Ils sont pas bons de bretzel. Voilà. On va faire d'autres types de bretzel aussi. Parce qu'on le vaut bien. Qui sont pas bons, encore une fois. Mais qui c'est qui cuisine aussi mal, quoi? Mais... T'as toujours un des deux bretzel qui est dégueulasse. Dans ce qu'on fait. DW... RUS, on fait d'abord le 4 parce que FS, ensuite le 3 parce que T, voilà, à cause de ça, là. S, tiens tes bretzel, 5, D, C, S, voilà, hop là. Toi, tu veux quoi? Tu veux du juicy milk et blueberries. Mince, je me suis trompé. Ça fera deux déceptions. Ça fera deux déceptions. Ça fera deux déceptions. Non! Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi je me trompe? Pourquoi me suis-je trompé? Ah, on a plus de biscuits.
Alors, as-tu quoi, toi? Tu veux des cornflakes et du milk cadeau. Toi, tu veux, hop là, avec ça, 3 fois tendre, 4 Fiber Blast, du milk et des blueberries. Est-ce que c'est elle, normalement? Non. 5 US, c'est parti, hop. Gravy. Hop là, 6 US, le 2. Le 2, steak gravy. Fiber, milk et blueberries, c'est L. Parce qu'à chaque fois, j'en mets des bananas, donc du coup, forcément, ça marche pas. S, mais c'est à cause du nom, ça. On appelle ça des. On appelle ça du détournement d'informations. Je sais pas comment on peut appeler ça exactement, mais. Cornflakes, c'est pas ça. Alors, Chuck Crisp, ça s'écrit comment? C'est H. Ash, milk et strawberries. Donc 3 sont en train de se barrer, ça. Fiber Blast, c'est F. Et milk, voilà. Ensuite, nous avons ce truc qui est en train de brûler. Donc hop, et M gravy. 2 US cadeau. Le 5, on s'occupe des poubelles. T, smash. S, le 3, c'est propre. Le 4, c'est bon aussi. Biscuit gravy. Le 1 US. Le 3 OIS 4 TOC DW RUS. Ensuite, normalement RUS. Le 2 est prêt. Steak et gravy. 3 ensuite FS. Le K5, il y a une mouche. Voilà. Et on attend que celui-ci soit prêt. On a fait un truc dégueulasse, les amis. C'était pas très joyeux là. Je suis pas satisfait. Bonne nuit, Ria. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, bon courage pour demain. Et j'espère à bientôt. C'est pas joli joli, hein. 52 clients servis, il y en a 3 qui sont mécontents. Ça va, ils ont pas fait bad orders. Ils sont gentils avec moi, hein, là. J'aime bien. J'ai gagné un tableau de sumo. Vous le voulez? Ensuite, on va essayer de faire les restaurants dans l'ordre, en tant qu'à faire. Coucou Albator, ça y est, c'est fait. Je t'avais pas vu arriver, désolé. J'ai plus de baguette non plus. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Allez, c'est parti. On y croit. Allez hop, pretzel, c'est toc. Oh, ils sont mauvais, mais sérieux, les gars. Fais votre boulot un peu, cuisinier de Schtroumpf. 3, B, C, Klaus. L, c'est L, Klaus. Ensuite, 4, est-ce qu'on a d'autres choses? Hot dog, allez hop. On y va, hop, ça c'est prêt. Vous inquiétez pas, madame. Fraga, par contre, je pense que votre t-shirt a besoin de passer à la machine. Alors, premium onions, mustard, ketchup, c'est parti. Le 1, c'est bon aussi. J'ai pas vu qu'il y avait un chat hot dog derrière. Premium, onion, mustard, ketchup. 2, il y a les toilettes. Alors, toi tu veux ketchup et moutarde. Tard. Hop là, ça c'est fait. Bientôt le niveau 13. Nous n'avons plus de bretzel, je répète, nous n'avons plus de bretzel classique. Nos bretzel classiques sont encore une fois dégueulasses. Nos bretzel classiques sont encore une fois dégueulasses. Mais c'est embêtant, ça. Pourquoi ils veulent pas me faire cuire mes bretzel classiques? Et des fois, je comprends pas. Waouh. Alors attends, tu veux du chili. H, cheese et hop là, le 2. Tu veux du pretzel, donc c'est Z et de la moutarde. Le 3, tu veux du regular et tu veux du cheese, du relish et du ketchup. Ok. Du coup, je me sens super lent là d'un coup.
4, moutarde. 5, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la moutarde aussi. Ensuite, on a le 2 qui normalement est assez rapide. Le 1, regular, cheese, relish, moutarde. Alors, on va s'occuper du 2. Premium, P, cheese, relish, chili chez H, oignon, moutarde, ketchup. Le mec, il veut tout, quoi. C'est un fou, le gars. C'est hop là, on prépare des. Punaise, ils sont encore mauvais. Ils sont encore mauvais. Mais ils se foutent de qui? 3. Moustard. 6. Oh punaise, faut que je fasse cuire. 4. Ketchup. 7. Ketchup et moutarde. 3. 3. B. C. L. Voilà, attendez un petit peu, les gars. 1. Chili, c'est H, chili, cheese et J. Je suis un peu perdu là quand même, hein. 6. Je suis en train de prendre du retard. Premium. Onions. Mustard ketchup. Je suis plus long que tout à l'heure. Ça, c'est une certitude. OIS. On n'a plus de bretzel numéro 2. On n'a plus non plus de trucs pour le hot dog. Voilà, donc 4. H, C, J, N. 2, tu veux quoi? Ketchup, 6, FS, 5, tu veux quoi? Ketchup et moutarde, 7, tu veux du chili, cheese, J, onions, le 1, il veut quoi? Il veut ketchup et moutarde, le 4, il faut jeter les toilettes, les poubelles, jeter les toilettes, c'est un peu plus compliqué, 3, chili, cheese, J, N, le 1, il nous faut du no ketchup, moutarde, vas-y, on envoie. Toi, tu veux du chili, cheese et J. 4, toilettes, hop là. 5, il nous faut du OIS, voilà. Le 1, il nous faut du ketchup seulement, c'est parti. Ouh. Hey, salut Zagma, comment vas-tu? Tu sais que c'est à cause de toi, grâce à toi, je sais pas comment on peut dire les choses, que j'ai fait du coup le Epistory. Pretzel, Z, N, moutarde et ketchup. Ça c'est bon, le 3 c'est bon, on a encore à manger. Le 5, tu veux quoi? Tu veux no ketchup, no machin. Le 2 c'est encore bon. On a plus de ça. C'est L, on balance. Le 4, t'es où? Tu veux quoi? Tu veux du chili, tu veux du cheese et du G. Le 6 il veut quoi? Le 6 il veut regular buns, cheese, relish et ketchup. Satisfait? Ouais, carrément. Carrément. Je l'avais vu le jeu il y a un moment, j'avais vu les images, ça ne m'avait pas du tout tenté. Et je me suis quand même, on peut le dire, bien amusé dessus. Toc, 3. Ah, mais ils sont pas bons encore, mais... 5, oh yes. On va essayer de faire ça vite et bien. 7, ketchup et moutarde. On y retourne, on détruit nos bretzels. Je sais pas pourquoi les bretzels, c'est aussi souvent raté, quoi. C'est extrêmement agaçant, on perd un temps fou avec ça. 4, pretzel. Donc pretzel c'est Z, C, K. 3, peut-être que je pense quand même à éliminer les insectes. 5, pareil avec ça, L, C, S. 6, on se dépêche, tu veux du cheese, du J et du onions. Le 1, il veut quoi? Il veut regular buns, cheese et chili. Hop là, 3, tu veux quoi? Tu veux chili, cheese, J. N, le 2 c'est bon, le 4 OIS c'est bon, les toilettes qui sont en train de pourrir, le 6 on est là, D, W, R, U, S, hop là, les poubelles tête d'abord, voilà, parce qu'après on a des gens malades et c'est pas bien, cheese, J, N, c'est bon, et le dernier qui est ici, à qui on va devoir faire chauffer un hot dog parce qu'on n'a plus en stock. Bah, je te dis bonjour, Isa. Donc, quand tu es arrivé? La rediff pourra témoigner. Premium, cheese. À moins que ce soit quelqu'un d'autre que tu parles. C'est ça, il n'y a plus besoin de nettoyer. Ils iront dehors. J'ai pas un seul client hyper satisfait. J'ai fait un perfect, mais pas un seul client hyper satisfait. Bon appétit, Exode. D'accord, c'est pour ça, Nico. Ok, j'avais pas compris.
Merci beaucoup pour l'info. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est propre. Des objets. Oh, c'est beau. Alors, je suis désolé, mais je viens de voir quelque chose. Ça va pas être propre, mais je viens de voir quelque chose. Je suis sûr de l'avoir vu. Et dans ce genre de cas, quand on voit ça, on se dit que... Non. Non. C'est comme un bruit de canard quand il n'y a pas ce qu'il faut. C'est les tableaux en fait, c'est pas ça que je cherche. Il y a les décos pour Halloween et tout. On peut mettre un arbre quand même dans notre base. Quelque chose de propre. Oh, mettre des couleurs. Ah, les poubelles. C'est pas mal les poubelles. Ah, mais on peut pas les placer comme on veut en fait. C'est moche. Mettre des plots, ce concept. Ah, c'est ça que je voulais. Alors, je suis désolé, les gars, hein, mais. Voilà. Voilà, non, on pouvait pas. On pouvait pas. On pouvait pas ne faire ça. C'est ça, Exode, exactement. On ne pouvait pas laisser ça comme ça et ne pas mettre une borne d'arcade. C'est pas possible. Hop là. Et ça, on va mettre ce truc derrière. Allez, hop. Toc. Voilà. Ouais, ça va, il est pas dégueulasse, cet resto-là, non? Et puis je trouve que la borne d'arcade correspond parfaitement à l'ambiance du restaurant. Je suis parfaitement satisfait, c'est bon. Par contre, on est arrivé à 47 minutes de rediffusion, donc on va faire une coupe de rediff. En espérant que ça vous a plu, je pense qu'on va relancer sur une rediff sur ce jeu-là. Et puis ensuite, on passera à notre jeu. Donc j'espère quand même que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve à quant à nous très très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstage.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde. Salut. Te revoilà Isaba, recoucou. Fais un retour en temps. Alors, t'as eu la preuve? Hein, tu l'as eu cette preuve? Là, tout de suite.